Et là, c'est un entre-deux-mer. C'est vraiment j'aime, j'aime pas, qu'est-ce que je ressens, et puis... Bon, je vais le boire celui-là, n'inquiétez pas. Eh bien, il est pour moi un tout petit peu acide par rapport à ce que j'aime. On est là, oui, en effet, sûrement, il est très citronné, très... C'est argileux, c'est pour ça que je disais, même au nez. C'est quoi, c'est un grave blanc? Non, vous avez raison, c'est un vin d'entre-deux-mer. C'est un entre-deux-mer blanc? C'est un vin d'entre-deux-mer, c'est un château Lauduc. L'appellation précisément, c'est Bordeaux-Bordeaux supérieur, sur la rive droite de Bordeaux. Et c'est un vin donc, très très bon rapport qualité-prix, autour de 5-6 euros. C'est ça, oui. Mais qui est très bien structuré d'ailleurs, hein, qui est très équilibré. Qui a un nez qui est assez agréable, mais très citronné, quoi, très. Qui pour moi est un tout petit peu acide par rapport à ce que j'aime. Je préfère quelque chose d'un peu plus rond. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais des vins de Bourgogne ou des. Côté rosé. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si les rosés, c'est votre tasse de thé. Peut-être moins. Y compris l'été, pas moins, trop. Moins, si, mais ça va être un. Le Bandol rosé, je trouve, sont pas mal maintenant. Ce qui a été fait, Miraval, là, ils ont fait un super boulot, là. Ça, c'est vinifié par une très grande famille de la vallée du Rhône, justement, la famille Perrin, qui produit Miraval. Oui. Et je connais bien le monsieur qui s'occupe du domaine, là. D'accord. Donc là, vous n'en êtes pas très loin, c'est pas Bandol. Mais... Non, c'est ça, c'est un nez de Côte de Provence. Voilà. Là, on est dans un autre univers, évidemment. On est dans un autre univers. On vient la voir. Là, on sent le cuir et le sous-bois. Donc là, on peut aller vers un Pauillac ou quelque chose comme ça, non? Vous êtes à Bordeaux, donc vous avez déjà trouvé Bordeaux. Non, oui, là, le nez ne trompe pas. Un grand vin de Bordeaux, dans lequel il y a Cabernet Sauvignon, donc vous y étiez. Essayer de trouver, est-ce que vous aimez? Moi, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime beaucoup de Bordeaux. Mais là, on n'est pas sur un Saint-Estèphe. On n'est pas sur. On est plus au sud. On est en Pessac-Léognan. On est en Pessac-Léognan. Pessac-Léognan. C'est un cru classé de grave. Ah. Château Pape Clément, 2005. Ah, pas mal. J'aurais dit, je serais resté sur un Pauillac. À cause du... Bah, l'année peut aussi prêter, 2005. 2005, grand millésime à Bordeaux. Ouais, très bon millésime.